Cher vivant, comment voyez-vous que le temps passe? Vous ne le voyez pas. Vous ne voyez que le présent. Et je ne vous critique pas. Pour moi, c'était pareil. Je me souviens, quand j'étais jeune vivant, j'avais même l'impression qu'il était immense, infini, qu'il n'existait rien d'autre que lui. Un verre de vin, les muscles souples de mes jambes, le rire des filles, ils étaient là et semblaient y être pour toujours. Bien sûr, plus tard, quand je suis devenu un vieux vivant, j'ai parfois senti le passé revenir et se mélanger au présent. Mais c'était furtif, insaisissable, et très vite, le présent reprenait son empire. Tandis que maintenant, je ne suis plus un vivant et tout a changé. Je vois le temps qui passe. Je vois ce champ de blé, comme vous. Et je le vois aussi comme il était il y a 40 ans. Les deux, je vois les deux, comme deux photos posées côte à côte. Et qu'est-ce que je constate, me direz-vous? Une chose précise, très nette, et qui me saute aux yeux, peut-être parce que c'était mon métier. Les balles de paille. Il y a 40 ans, les champs moissonnés étaient rasés, drus comme des paillassons. Aujourd'hui, ils sont constellés de balles de paille. C'est plus joli d'ailleurs. On dirait des roues, des points de suspension, des notes de musique sur une partition. Il faut que je vous dise que dans votre temps à vous, les vivants, mon métier a disparu. Mon nom était Louis Olmière et j'étais entrepreneur de battage. Chaque été, de juillet à fin août, j'allais de ferme en ferme avec mes ouvriers et mon matériel. Et là, pendant toute une journée, parfois deux, le tracteur faisait tourner la batteuse avec une longue courroie. Et la batteuse séparait le grain de la paille. Le grain pour les hommes, la paille pour les bêtes. C'était la tournée des battages. Tu vois, le type qui lui fait passer, du gerbier, qui lui fait passer la gerbe. Alors celui qui est là, qu'on ne le voit pas tellement, il rentre les gerbes dans la batteuse et les autres, on le lui fait passer de par le paillet. À l'époque, on travaillait deux mois, de continu, tous les jours. On faisait... On commençait à 4h30, 5h le matin, pour le préparer, et on finissait à la nuit. Pour nous, entre copains, on s'attendait là, et allez, on se montait l'un avec l'autre. On attendait cette batteuse arriver, dans le bois, des cailloux, la route n'était pas redonnée, bien sûr. Et allez, on dépiquait, alors le battage arrivait, tout ça, et pour nous, c'était vraiment émouvant. C'est resté dans la mémoire, quoi. C'était un métier moderne à l'époque. Il avait remplacé l'ancienne méthode au rouleau. Ça allait beaucoup plus vite, c'était la machine qui travaillait. Et avec elle, c'était le progrès qui se déplaçait de ferme en ferme. Bien sûr, en m'écoutant, je suis sûr que vous, les vivants, vous avez l'impression inverse. Vous voyez cette route, et le soleil qui l'écrase efface pour vous jusqu'aux ombres du passé. Pour moi, non. Je vois aussi cette route, bien sûr, mais en plus, j'entends le boum-boum du tracteur. Je vois, dans le rétroviseur, le long convoi de la batteuse et de la presse qui brinque-balle derrière moi. Tout ça ne fait qu'un. Alors, puis après, chaque année, la batteuse ne partait pas du même endroit. Elle partait d'un endroit de sens des aiguilles de montre d'une campagne de battage, comme la campagne de battage partait de le sens d'une montre, des aiguilles de montre, et l'année après, elle repartait au sens inverse pour contenter toujours le client, quoi. Si tu faisais toujours le même, le premier, ça faisait des jaloux. Pourquoi lui premier? Pourquoi pas moi? Minimum, il fallait être une vingtaine. Entre tout, plus après le travail avant, quoi. Moissonner avec la lieuse, ramasser les gerbes, faire les tas, les re-ramasser, les charger, faire les gerbiers. Donc, ça prenait quand même pas mal de temps. Disons, 8 jours avant, nous savions qu'à peu près, approximativement, 8 jours avant, qu'elle venait chez nous, quoi.
bon, dans notre propriété. Alors nous étions heureux, alors c'était facile. On aurait cherché d'avoir chez un oncle la grosse marmite pour préparer le cassoulet, enfin les haricots, quoi. Et allez, alors la poule farcie, bien sûr, on préparait tout ça. Le jour avant, les préparatifs étaient là, quoi. Ma dernière tournée, par exemple, ce n'est pas si loin, c'était en 66. Pas 1866, 1966. On entendait Johnny Hallyday et des chanteurs anglais à la radio. C'était hier. Et pourtant, si vous voyez comme les choses ont changé. On est parti le 18 juillet. Ah bien, tout le monde ne pouvait pas te faire dormir. Eh oui, tout le monde n'avait pas les moyens de pouvoir te faire dormir. Alors, on allait... On avait des points de ralliement. Il y avait à l'époque, il n'y avait pas... Il n'y avait pas les douches et tout ça pour se laver le soir. Ils se lavaient comme ils pouvaient, et puis le lendemain, ça repartait, et ainsi de suite. Et puis, alors ils allaient de ferme en ferme. Il y avait c'était pas tellement de grandes fermes. Alors, des fois, il ne restait qu'une demi-journée. Mais la demi-journée, ils la profitaient parce qu'ils commençaient très matin. Alors, ils arrivaient à faire deux fermes. Et on dépiquait, bien sûr, c'était le contracteur, la batteuse, la presse. Et alors nous, on copiait, bien sûr, tout petit, on faisait des jouets semblables avec ça, en bois, contracté, on s'amusait, quoi. Mais pour en revenir à cette dernière tournée de 1966, il ne restait presque plus de clients. 7 en tout. Ceux qui ne croyaient pas dans le nouveau système. C'était vraiment les derniers, les irréductibles, les rebelles au progrès. Alors, ce 18 juillet-là, quand, avec le tracteur et tout le matériel, on est entré dans la cour d'Encoste, notre première date, je crois bien que, sans le dire, je savais que c'était la dernière fois qu'on venait ici. Et c'est les filles qui ont motivé le départ. Hein. Elles avaient 3 et 6 ans. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'elles n'allaient pas faire continuer l'école à cet endroit, enfin, en banlieue. Donc on a décidé de partir à la campagne, sans savoir vraiment où on allait aller, entre Marseille, Montpellier, Toulouse. Le sud, quoi, en gros, quand même. Le sud où il fait beau. Je les revois. C'était des vieux clients de mon père qui exploitaient en Coste. Alphonse, Rose et leur fils André. André ne s'était jamais marié. Il était comme le dernier survivant d'une colonie disparue. En effet, à la génération d'avant, il y avait eu jusqu'à une vingtaine de personnes réparties en plusieurs familles qui vivaient ici. C'était un vrai hameau. Je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait même une petite école dans le bâtiment à côté. Bon, on trouvait cette maison aussi, c'était quand même un coup de bol. Quand on l'a achetée, on est arrivé en haut sur la route, on l'a vue vraiment de loin, on a dit c'est celle-là, quoi. On ne l'avait même pas visitée. Parce que c'était plus lié à ce qu'il y avait autour que la maison, parce que la maison, il y avait les murs, hein, c'est tout. La toiture à refaire, toutes les fenêtres à changer, et pas les portes, tout. Mais bon, à la limite, ça se fait, ça se construit. L'environnement, il se construit pas, quoi. C'est un peu paumé, mais bon. C'est paumé, mais c'est le prix à payer pour trouver ce coin paradisiaque, quoi. Et puis, peu à peu, tout s'était mort ou parti. Jusqu'à la sœur d'André qui s'était mariée à la ville.
Alors l'école avait fermé à la fin des années 50. Et si André avait repris la ferme, c'était plus par routine, par habitude, parce que ça avait toujours été comme ça, et qu'il ne voyait pas ce qu'il aurait pu changer à son destin de dernier des Mohicans. Nicolas a trouvé du travail à Castres, dans l'informatique. Il y est resté 8 ans en tout. Et ensuite, il a monté sa petite boîte où il a commencé à faire du développement de sites internet, de la vente de machines. C'était très varié au début. Maintenant, c'est peut-être un peu plus spécialisé dans la maintenance et le site internet, quoi. Et avec beaucoup de boulot à la maison, le bureau qui est là, et après les déplacements. Voilà, et après moi j'ai trouvé du boulot assez. Dès que j'ai cherché, j'ai trouvé. Donc, comme je suis éducatrice, j'ai continué le même travail en secteur psychiatrique sur Albi. Le 18 juillet, vers 3h de l'après-midi, on avait tout fini. La récolte d'André était maigre, une cinquantaine de sacs à peine. De sorte qu'en repartant, je me souviens, je me suis dit qu'il ne tiendrait pas longtemps comme ça. Alors deux ou trois personnes étaient reléguées pour aller porter le grain au grenier. Et puis quand on arrêtait, ils faisaient les totaux de ce qu'ils avaient fait et ils étaient payés, ils se faisaient payer, je ne sais pas si c'est tant le kilo ou tant le sac. C'était au nombre de sacs de grains qu'on faisait. Ils étaient payés. Parce que il y avait le grain sorti de la batteuse et on le mettait dans des sacs. On mesurait un sac. Ça faisait un hectolitre. Voilà. Et il était payé à l'hectolitre. Et on a gardé une partie pour le boulanger. On a gardé une partie pour payer le pain. Parce que tout le monde payait en compensation tant de kilos de blé, tant de kilos de pain. Voilà. C'est ce qui donnait l'avantage. Alors tu sais bien que toujours il y en avait un. L'exploitant qui était en train de piquer, il essayait de mettre un complice, mais il y en avait d'autres qui se contredisaient après. Et puis on a repris la route et on a mis le cap sur le deuxième client. Le Félissou qu'on appelait là, lui, il enfilait le fil de fer. Il était assis sur la barre de paille et il enfilait le fil de fer. Alors, toute la sainte journée, il a enfilé des fils de fer. Avec de la poussière. Moi, je l'ai vu avec trois doigts de poussière sur le dos, là, comme ça. Il faisait pouf, mais ça fait rien. Il était là, voilà. Alors, les jeunes, ils étaient heureux parce que, alors, avec une. Comment dirais-je. Un pot en gris, qu'ils appelaient ça le boutel, et plusieurs verres. Et du vin, et il passait pour les faire boire. Quand on servait à boire, on mettait de l'eau et du vin dans un broc. On passait à l'époque, il n'y avait pas de bière, il y avait pas, on buvait du vin. Puis il y en avait d'autres, qui, ceux-là, ce n'était pas pareil. Ceux-là, ils se déplaçaient, mais ils se déplaçaient pour aller boire. et après, lui, il était là, il guettait l'aiguille. Mais chaque fois qu'il poussait, pof, l'aiguille, elle était partie. Il plantait le fil de fer dans la balle de paille. C'était le soir, ça. Il était un petit peu noir, le type. Oh, parfois, il y en a qui étaient très gais le soir, qui dormaient sur place. Ils étaient prêts pour le lendemain matin. Oh, ah, c'était bien, hein. Oh, ah, oui. Le lendemain matin, à 8h, on arrivait à Saint-Salvi, perché en haut de sa colline. La deuxième de cette dernière campagne. Ici aussi, c'était des fidèles parmi les fidèles, qui ne voulaient pas voir disparaître la tradition. Mais leur ferme était en haut d'une pente si raide que Lucien, mon vieil ouvrier qui avait presque l'âge de mon père et qui avait commencé le métier avec lui, me disait que, aux temps héroïques, il fallait atteler deux bœufs en avant du tracteur pour l'aider à tirer le convoi jusqu'au sommet. Deux bœufs à l'avant pour monter, et quand le travail était fini, deux bœufs à l'arrière pour retenir dans la descente. À la différence d'Encoste, qui périclitait déjà beaucoup en cette année 1966, ici c'était une grosse ferme, un gros troupeau d'une trentaine de vaches et pas mal de bonnes terres tout autour sur les coteaux.
Alors, si c'était encore à mes machines, plus que dépassées, qu'on faisait appel pour ces battages, c'était par respect pour le grand-père. Il était dans l'ancienneté, comme disait de lui son entourage. Et pour lui, moissonner, c'était immuable. C'était la lieuse dans les champs, puis gerboyer, et enfin dépiquer à la maison, avec l'aide des voisins et de toute la famille. On fait 1 hectare d'ail. Nous sommes des petits producteurs, comparés à la moyenne de la région. Mais bon, ça nous suffit pour vivre. L'ail est venu en remplacement d'une polyculture élevage qui avait lieu autrefois. Autrefois, il y avait beaucoup de fermes avec des élevages d'une vingtaine de bêtes où les agriculteurs faisaient plusieurs cultures. Et maintenant, bon, l'ail remplace ça. Depuis, donc, nous disons, 40 d'années, valorisé bien sûr par le label. Voilà. Le grand-père en question avait un fils, à peu près de mon âge. Et le fils de ce fils, un jeune en 1966, voulait reprendre la ferme plus tard. Mais les choses n'étaient pas devenues simples et il lui fallait d'abord passer son diplôme. Alors, il allait dans une école où il étudiait la gestion, l'agronomie et toutes ces nouvelles normes auxquelles nous, les anciens, nous ne comprenions pas grand-chose. Et voilà, le produit est prêt à vendre. Sachant que c'était toujours le même repas, hein. D'une campagne à une autre, c'était toujours le même repas. Salade, composé, ouais, tomates, quoi. Après, c'était la poule farcie, et les haricots, et la salade verte, et le fromage, bien sûr. Chaque repas, c'était le même refrain, quoi. Ah, mais c'était pas mal, quoi, c'était bien. Mais c'est vrai que, bon, c'était autre chose qu'en Miance. En repartant de Saint-Salvi, une autre anecdote m'est revenue. Une autre fois, les freins du tracteur avaient lâché dans une descente et la batteuse avait versé sur le côté dans un champ, écrasant presque une vache. Alors tout d'un coup, j'ai eu peur que ça m'arrive. Heureusement, pour cette dernière fois, tout s'est bien passé. Et il y avait des paris, les haricots. Il y avait des paris, hein. Ils faisaient des paris. Et à tel point qu'il y en a qui avaient mal à l'estomac, hein, je peux te le dire. Hein. Ah ouais, ouais. Dans Paris, tu ne ferais pas l'assiette de haricots, 2 assiettes, 3 assiettes, jusqu'à que le gars il soit cané. Hein. Quoi, aussi bien en rouge, aussi bien en n'importe quoi. Hein. C'est Paris stupide. Puis on n'était pas, bien qu'en allant plus doucement, on était moins pressé que maintenant. Parce qu'on avait davantage de temps. Ça, comment on l'explique, je ne sais pas, mais les gens avaient le temps de... Quand ils avaient fini la journée, encore, ça leur arrivait souvent encore de danser le soir et le lendemain à 6 heures du matin, ils redémarraient pour aller à la ferme suivante et ainsi de suite. Notre troisième client, c'était ici, à la Pélinquier. On a roulé presque toute la matinée avant d'arriver. Tout ce qu'on voit, la batteuse, la presse, ne faisait pas loin de 20 mètres de long. Et on ne pouvait pas aller à plus de 10-15 km/h. Et là, il y avait deux personnes qui étaient les voisins ou les amis qui venaient aider. Nous faisions une entraide. Et c'est, tout le monde, une fois chez un, suivant comme c'était compensé, de l'importance de la propriété. Alors des fois, ils allaient une personne de la famille ou deux personnes pour compenser le temps qui se donnait. Il fallait que se regrouper pour faire marcher la machine, sinon, si elle arrivait, s'il n'y avait que 2 ou 3 personnes, mais ça ne pouvait pas faire. En plus, quand on est arrivé, il a fallu réparer la presse, un ressort. Ça arrivait souvent, le matériel était vieux. Finalement, en fin de journée, on était prêt. Table ronde, de façon à ce qu'elle soit à l'ombre vers le début d'après-midi. Oh si, ça va marcher là. Voilà.
on va pouvoir l'enlever quand même. Les gens sont très très exigeants. Bon, jusqu'à présent, on n'a eu que des appréciations très positives au niveau qualité de ménage. Mais n'empêche que il faut que ce soit très propre quand ils arrivent. Disons que là, le gîte par lui-même, c'était un hangar qui s'était plus ou moins effondré quand même. Les tuiles, on n'a pas eu à descendre, elles étaient par terre. Donc déjà, ça fait un boulot de moins. Voilà, on va aller dans la pièce à côté. Et donc la question s'est posée. Mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant? On ne pouvait pas laisser ça à côté de chez nous dans cet état-là. Alors soit il fallait tout détruire, soit il fallait reconstruire. Alors ce qui est construit, il vaut mieux le préserver. Et puis bon, ça occupe de construire les maisons. Il faut laisser des traces aux générations futures. En quelque sorte, le vieux qui vivait ici à cette époque, c'est presque comme s'il était déjà mort. Il fait peut-être mentir ma théorie comme quoi les vivants ne voient que le présent, mais lui, il était vraiment dans un autre monde. Le temps s'était arrêté chez lui. C'était immonde, sale. Il y avait bien l'électricité, mais une seule ampoule au plafond, c'est tout. Et une sorte de caniveau traversait la salle de séjour, de sorte que quand il pleuvait, l'eau entrait d'un côté, ruisselait au travers de la pièce et ressortait de l'autre. En plus, il vivait seul, ne parlait à personne et ne sortait jamais sans son fusil. Un vrai sauvage. Voilà, faut que je coupe cette branche. Ah, ça fait mal, ça, hein, couper les branches. Tu vois, comme cela, là, bon, ils ont une dizaine d'années, voilà. C'est pas bien terrible, terrible. La terre est pauvre, il n'y a pas grand-chose, ouais. C'est que des galets. Mais pour nous, ça suffit. Comme ça, il n'y a pas à tondre trop souvent aussi, ça c'est important. Allez, je vais le mettre au compost. On a toujours vécu à la campagne, quasiment, que ce soit Emmanuel ou moi. Et donc, on a juste... on va dire refait le gros œuvre qui était vraiment très abîmé, mais l'intérieur, on a essayé de garder quand même un maximum de pierre, un maximum de confort. Mais on n'est pas non plus dans le luxe, on a quand même une philosophie de vie qui fait qu'on aime les choses simples, mais pas forcément très luxueuses, quoi. On se contente en fait de choses naturelles, de choses simples, et tout en le gardant quand même confortable. Mais pourtant, le danger n'est pas venu là où il le guettait, et son fusil ne lui a servi à rien. C'est son tracteur qui l'a tué, dans un champ en pente. Il s'est retourné et le vieux s'est retrouvé dessous, écrasé. Ce qu'il serait intéressant de savoir, c'est s'il avait longtemps hésité avant de l'acheter, ce foutu tracteur. S'il s'était dit, lui, le vrai ours qui refusait tout, que ça, tout de même, l'achat d'un tracteur, c'était le minimum qu'il devait faire, s'il voulait survivre. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, très bien, vous aussi? Oui, 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 oui. Ça bien, vient, ça vient. Ouais. Oui, 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 c'est lourd. On va boire un coup, non? Hein? Ça vous dit? Ah, oui, ça ouais. Allez, on y va alors. On va aller s'installer sur la terrasse. Et puis, petit à petit, les moissonneuses sont arrivées. Et là, il y a eu toujours des contestataires, parce que ça, c'est comme partout. Hein. Il y en a qui disaient, non, la moissonneuse, elle ne prendra pas, on reviendra au batteur, ça ne va pas aller. On n'arrête pas le progrès. On a continué, continué, jusqu'au dernier jour, et ça a été fini, là.
Il y a une autre chose. Vous vous demandez peut-être pourquoi je ne me suis pas adapté. Pourquoi moi, Louis Holmière, j'ai traîné comme ça jusqu'au bout avec mon vieux matériel déglingué. Dans les années 20, mon père avait acheté les premières batteuses de la région. J'aurais pu acheter les premières moissonneuses-batteuses. C'est vrai. Pourquoi ? Il faut savoir qu'au début, tout le monde était contre. Partout, c'était la même rengaine. Les moissonneuses-batteuses, ça allait plus vite, d'accord ? Mais il fallait que le champ soit plat, et puis elle tombait en panne, et puis il y avait énormément de pertes. N'empêche que, peu à peu, silencieusement, tout le monde s'y est mis. Alors, il y a eu un moment sans doute où j'aurais dû me décider, c'est sûr. Mais voilà. Maintenant, je vois bien que je n'ai pas suivi la marche du temps. Mais sur le moment, quand on est vivant, comment savoir ? C'était dans les années 60, je pense. Je ne sais pas en quelle année il a arrêté au juste. Mais bon, on a été les derniers à faire avec lui. Puis de toute façon, on a été obligé d'arrêter parce qu'il n'y a plus personne. Ben ouais. Bon, mais ça, ça, c'est sûr que ça reste, même depuis le temps. Ça ne peut pas partir, quoi. Et puis ça a été le tour d'Alary, la première ferme à droite en sortant du village. On y est arrivé fin juillet, le 22, la seule exploitation où c'était encore du boulot, où ça voulait encore dire quelque chose. Il y avait du travail comme à la grande époque, des gerbiers comme des montagnes. Et je ne suis pas étonné qu'au milieu de toutes ces fermes qui ne sont plus ce qu'elles étaient, la leur soit la seule à produire encore des balles de paille. Même si elles sont rondes. D'autant plus que le Jean-Claude, là, je l'ai connu tout jeune homme. Il avait 20 ans, il revenait du régiment, la guerre d'Algérie. Je l'ai embauché comme saisonnier, et ça lui a tellement plu qu'il s'est arrêté ici. Il a même épousé la fille de la maison. Avant de partir à l'armée, je travaillais dans le bâtiment. Quand je suis revenu du service militaire, je suis allé retrouver mon patron, je lui ai dit, voilà. Il me dit, pauvre, pour le moment, il n'y a pas trop de travail, si tu trouves autre chose. Je me suis présenté chez un entrepreneur de battage. Il m'a dit, moi, je te prends pour faire la campagne. C'est-à-dire le Louis. Oui, c'est-à-dire M. Holmière. Et après, au bout de 10 ans, tout est fini. C'est bien sûr pour ça qu'il me faisait travailler une dernière fois. C'était la famille. Servez-vous, et voilà. Servez-vous. Oh, c'est que des patates, mais enfin. Tu es un peu Mustapha, hein, je crois. C'est comme de la crème. Autrement, c'est sûr qu'aujourd'hui, du terrain, il te faut la surface. Si tu n'as pas la surface, tu... Aujourd'hui, non content d'avoir un tracteur et une faucheuse, on met 3 faucheuses. Une de vin. Mais tu devrais mélanger avec la sauce. C'est-à-dire que tu compenses le manque à gagner par la quantité.
Ça veut dire qu'aujourd'hui tu gagnes moins, donc tu vas essayer de faire davantage de travail pour gagner davantage. Oui. Et plus tu gagnes, plus on te fait payer les charges. Et voilà. Et c'est là. Parce que tu vois, il y a des minots là. Donc il faudra bien leur préparer une succession. Et si dans quelques années tu arrives avec une exploitation qui est petite, là peut-être tu pourras dire bon, mais c'est pas la peine de continuer. Alors que si tu arrives avec un outil de travail un peu important, c'est sûr qu'il faut bosser. Mais peut-être on peut s'en sortir. C'est moi, c'est un peu mon point de vue, quoi. Parce que dans la petite exploitation qu'il y avait autrefois, aujourd'hui, tu ne vis pas. Tu ne peux pas y vivre, c'est pas vrai? Alors, ça, c'est parti insensiblement. Tu comprends? Puis t'es déjà une croûte de pain. Ah, wow. Merci. On a regroupé 7 fermes, si tu veux, en une. Voilà, il y avait 7 exploitations, tout le tour, il y en a une. Le fils, je l'ai connu tout gosse. Et je ne suis pas étonné qu'il ait pris la relève. Mais c'est sûr que ce n'est plus la même vie. D'accord, la marche du temps a voulu qu'on aille vers plus de machinisme. Et je suis mal placé pour critiquer, puisque c'est mon père qui a commencé dans la région, puis ça a été moi, puis les moissonneuses avec leurs balles rondes. Mais maintenant, voilà le résultat. Pour une balle ronde, combien d'histoires oubliées? Quand on est reparti d'Alary le 23 juillet, j'étais requinqué. On avait fait 2 jours sur place, des centaines de sacs, une belle recette, une belle fête aussi le dernier soir. On devait être 40 ou 50 à table, et je me disais que mon travail voulait encore dire quelque chose, qu'il y avait du dynamisme et de la beauté dans tout ça, comme un lien, une raison profonde qui faisait qu'on était tous ensemble. Mais aujourd'hui, je me demande, nos machines, est-ce qu'elles n'ont finalement pas tout changé dans ce pays ? Autrefois, les gens d'ici faisaient pousser du blé. C'était leur raison d'être, leur histoire commune. Mais maintenant... Ami Carlos. Qué bonito, boy. Qué bonito. À la Barthe, on y est arrivé le lundi 25. Je me souviens que, tout jeune vivant, j'y étais venu au mariage de mon copain Edmond. 4 personnes. Et mon mari, Samuel et Hannah. Oui, ouais, voilà. Bon, entrez. Le carrelage n'est pas comme ça. Et ça, avant, c'était les vieux salles de bain. Et peinture, un peu de plâtre. Je me souviens, quand il a pris sa retraite, dans les années 80, Edmond a vendu à des Anglais, les premiers de la région. Et voir des Anglais s'installer ici, c'était un grand mystère. J'ai toujours les chevaux. Les chevaux, les poneys, quand j'étais petite. Par contre, en Angleterre, quand j'ai vécu en Angleterre, c'était pas trop facile, parce qu'on n'a pas de place à la maison. C'est pour ça, ici, c'est un rêve, parce que... J'ai la jolie maison, j'ai la place pour les chevaux, c'est idéal. Mon père avait dû aller 2 fois à Paris. Quant à ma mère, si de toute sa vie elle avait aperçu Toulouse, c'était le maximum. Alors, que venaient faire des Anglais chez nous? Voilà, ici c'est ma bar, aussi la place pour ma collection, les disques, les vieux disques. Edmond, qui leur avait parlé, nous racontait que ce qui leur plaisait, c'était le soleil, les paysages. Et pour les apéritifs, pastis, c'est obligatoire. En Angleterre, j'ai travaillé dans les imprimeries et beaucoup de technologies arrivent. Voilà, les imprimeries, c'est fini. Espagne, c'est trop cher. J'ai traversé France, oh, beaucoup de vacances. J'ai trouvé Puy-Cavel. J'ai cherché une maison vite.
J'ai visité chez Yvette, les épiceries. J'ai posé la question, monsieur Olivier, les patrons pour la maison et la batte. C'est moi. Ça vendre? Oui. Bon, vendu. J'ai acheté. Bonjour, madame. Non, non, non. Voilà. Voilà, il y a le reste, oui. Non, en Angleterre, je n'avais pas pensé qu'une époque, je vais livrer le pain en France. Ça, c'est sûr. Non, non, c'est vrai. Hein? Oui, c'est vrai, en Angleterre, on ne livre pas le pain. C'est que de lait. Pour la première année, j'ai retapé les premières maisons. Après, j'ai travaillé pour un monsieur en anglais. J'ai fabriqué les gîtes. Maintenant, j'ai travaillé, j'ai commencé une entreprise pour moi, l'année dernière. Les maçons, les bricolages, normalement pour les Anglais. Je suis très contente ici. Je pense que je ne bouge pas, je reste ici. Mais oui, c'est nationalité anglaise toujours, bien sûr. Normalement, j'ai préféré les amis françaises. Voilà. C'est... Les Anglais, pour le travail, c'est bon. Mais après ça, non. Non. C'est comme la Dordogne. Voilà, c'est une petite Angleterre là-bas maintenant. Tous les jours, c'est un vacant. Et ça s'est terminé que quand il était fatigué, il était à bout du travail, et voir cette machine sans travailler, ça le minait. Et il n'avait pas d'acquéreur pour la vendre, il fallait qu'il la donne, parce que les moissonneuses et batteuses avaient fait tout, à tout détruit. Et alors il a mis de colère, je ne sais pas pourquoi, il l'a brûlé dans un coin de pré. Je ne sais pas de quoi il l'a brûlé, mais il l'a brûlé. N'importe qui peut le dire, qui était vivant à ce moment-là peut le dire. À la fin de la journée, mon copain Edmond, ça a été le seul, a eu la franchise de me dire que l'année suivante, il ne ferait plus appel à moi. « Il faut aller avec son temps, m'a-t-il dit. Avec la moissonneuse, tu comprends. On n'est pas obligé de tout faire d'un coup. On peut commencer un jour ici, et puis attendre une semaine ou deux, si là, c'est pas prêt. » Je lui ai répondu que j'étais pas fâché, que je comprenais. Alors la carcasse est restée longtemps là-bas dans le pré. Moi, je sais que quand il a brûlé la batteuse, ça m'a rendu malade de voir ça. Mais je n'aurais jamais cru ça de lui. Il a eu la force de caractère. Ça lui rappelait de trop. Je ne sais pas moi, c'est... On ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Il l'a fait en dépit, il l'a fait... Je ne sais pas moi, pourquoi il a fait ça. Je ne sais pas.
Mais ce que je comprends aujourd'hui, c'est qu'il y a maintenant deux catégories de gens qui vivent dans ce coin du Midi. Les anciens, qui ne connaissent de lui que la douleur de la terre, et les nouveaux, qui ont choisi d'y vivre pour la couleur du ciel. Et voilà tout ce que je peux dire. À Combelas, l'avant-dernière ferme, on est arrivé le 26. À l'époque, la concentration des exploitations avait déjà commencé et le propriétaire l'avait acheté non pour la bâtisse, mais pour les terres autour. De sorte que plus personne n'habitait là. Cette maison, c'était à l'époque mon grand-père qui l'avait acheté pour les terres. Donc, c'est une maison de famille que j'ai transformée ensuite en atelier, puisque moi je suis devenu charpentier. Mes frères étant déjà paysans, je leur ai laissé la place et j'ai pris un autre métier, quoi. D'ailleurs, qui m'a piqué un petit peu en retapant cette maison, c'est-à-dire j'ai commencé à travailler le bois en retapant la maison. Et je me suis rendu compte que le bois m'intéressait. C'est comme ça que je suis rentré ensuite. J'ai fait mon apprentissage chez des compagnons. Alors, ce qu'on va faire, cette courbe, elle nous va bien. On va couper là, en regardant ici. Voilà. On va voir où ça va. Là, on va restaurer un moulin à eau dans les Pyrénées. Et c'est des espèces de cuillères en bois sur lesquelles vient se jeter l'eau. Voilà, et donc, quand une cuillère s'en va, il y en a une autre qui arrive et ça tourne. Et les meules sont montées directement dessus. Et cette maison vide, avec la batteuse qui dépiquait devant, avait quelque chose pour moi de mystérieux. Mais aujourd'hui que je vois le temps, c'est différent. Je vois deux choses. Je vois comment vous, les vivants, vous la voyez, pour ces vieilles poutres, ces pierres de taille rustique et naturelle sous le soleil. Donc le thé avec les plantes locales, alimenté de quelques plantes de Chine. Et je vois comment nous, à notre époque, nous la voyons. Pour nous, ces mêmes vieilles poutres, c'était la pauvreté des temps anciens. C'était la misère de nos ancêtres, la peine, le froid, la tuberculose, les estropiés, les femmes jeunes et belles, tout juste mariées et qui mouraient dès leur première couche, et les enfants rachitiques, et les hommes tués à la tâche. C'était pas de beaux assemblages de chênes qu'on voyait dans ces ruines, mais les vies de torture de nos aïeux. Et je vous jure qu'on avait plutôt envie d'oublier tout ça. Et après, avec 200-300 euros par mois, tu vis. Hein, voilà. Dans ma vie, il n'y a pas de problème. Voilà. Même en Inde, il paraît que pour 300 euros par mois, tu vis comme un roi. Parce qu'on a calculé que... Si coûtait moins cher de vivre à l'étranger pendant l'hiver qu'ici. Voilà, parce que le chauffage, on n'a pas à le payer. Et l'hiver, eh ben, je ne veux pas dépenser l'argent, que... le peu d'argent que j'ai. Mais bon, ce n'est pas non plus des sommes astronomiques, hein, il ne faut pas croire. C'est vrai, quoi. Moi, je ne travaille pas toute l'année non plus, mais... Je ne travaille pas, moi je travaille, moi je ne travaille pas. Voilà, en fonction de ce que j'ai, famille, voilà, famille, ouais, je m'occupe tout ça, de mon grand-mère. On va profiter aussi de la vie, on n'est pas que là pour trimer. Ben, restaurer des moulins à eau ou des moulins à vent, c'est intéressant parce qu'on touche à quelque chose qui ne se fait pas tous les jours. C'est chaque fois différent. Donc... souvent, on a affaire à des nouveaux problèmes. C'est très attrayant pour nous parce que ça nous remet toujours en question. On essaie de trouver toujours des combines pour améliorer le système de l'époque. Et comme on est vraiment spécialisé, on vit bien dans notre travail également. Donc, on s'amuse en travaillant. Voilà. Ah ben, moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré il n'y a pas plus tard que 15 jours. À Cucugnan, on a restauré le moulin à vent. Sous le moulin à vent, ils ont fait un énorme four de 10 mètres carrés. Ils utilisent des céréales anciennes pour refaire le pain. Et pour la première fois, j'ai mangé du pain qui a été fait dans un moulin que j'ai fabriqué, quoi. Et quand on arrive au partage du pain, c'est qu'en amont, il y a des paysans, il y a un meunier,
Il y a un boulanger. C'est fabuleux, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire? On a l'essentiel, là. Un peu de musique derrière. Tout va bien. Al fond de la Prado, y a un pibul traocat, lo cocu ti canto, meleu y a nijat. La sienne à la mort. C'est par là que c'est le tracteur, là. C'est par là, par la poulie qui faisait tourner le pâtage. Bon, je garde un souvenir, quoi. C'est toujours pareil, quand on est conservateur, plus ou moins. Voilà. C'est Marc Vandeuvre. Il y avait Lens et Vierzon qui faisaient ça. Vierzon, Lens et Vandeuvre. Pour aller à Douas, au Lader des Der, la route passe sous les remparts de Lautrec. Et c'est là, au spectacle de ces maisons toutes impeccablement restaurées, qu'une chose me frappe. Et si ce petit coin du Midi n'était plus qu'un cadre, une toile de fond chargée de souvenirs assoupis? Si cette campagne où j'ai vécu et travaillé n'était plus un lieu où l'on vit et travaille, mais une sorte de théâtre grandeur nature, un décor en quelque sorte? Et maintenant, je n'arrête plus d'y penser. Autrefois, je me souviens, les poilus qui revenaient des tranchées de 14-18, quand ils racontaient leur guerre, ne nous parlaient que de bons souvenirs. C'est plus tard, par les livres, les journaux, les films, qu'on a appris les horreurs du front, les rats, les mutineries. Ceux qui l'avaient vécu, eux, n'évoquaient que les parties de rigolade. Et bien si là, je me dis, c'était la même chose. Si ma terre, celle de mes aïeux, n'était plus réelle, mais une sorte de musique pour les yeux. Si elle était devenue une image, une tapisserie, une peinture de Van Gogh à l'échelle du paysage, avec moulin à vent en arrière-plan. Si les nouveaux qui sont venus y vivre voulaient l'aimer non comme une mère parce qu'elle les nourrit, mais parce qu'elle est belle comme une maîtresse. Je ne sais pas si c'est qui veut faire ma chaîne de tourisme de tout le fond de la France. Il faudra bien l'entretenir, mais les cultures, qu'est-ce que tu veux que ça fasse, ça fera rien. C'est vrai que sans l'ail avec son label, une petite exploitation comme la nôtre aurait du mal à être vivable. Et même les anciens, les autochtones, si ce n'était plus pour la farine que quelques derniers agriculteurs continuaient à faire pousser du blé ici. Du blé, il en vient par milliers de tonnes d'Ukraine ou du Canada, et du bon et du moins cher. Non, si ceux qui restent, c'était juste pour l'entretien du décor. Des paysagistes maintenus là à coup de subvention pour accorder le blond des blés au bleu du ciel. Des sortes de figurants, des silhouettes animées qui s'activent pour faire vrai dans le diaporama. Et voilà le terminus, le bout du chemin, la dernière ferme de ma dernière tournée. C'était le mercredi 27 juillet 1966. C'est de la farine biologique qui vient de chez M. Garland à Algans, qui est à côté de Puy-Laurent, dans le Tarn. Et donc c'est la farine relativement fraîche, c'est-à-dire elle est moule juste avant que je l'utilise. J'ai commencé tout seul. Mais au début, il y en avait assez pour une personne. Il y en avait assez pour une personne et j'ai travaillé 3-4 jours par semaine. J'ai commencé par le marché du samedi à Castres,
Et j'ai eu la chance, pendant quand j'ai démarré, qu'il y ait quelqu'un qui arrête son activité. Et puis après, ça s'est développé au fur et à mesure. Et là, actuellement, on est 5. Quelques années après, comme ma sœur vous l'a dit, un jour la colère m'a pris et j'ai brûlé ma vieille batteuse au milieu du pré. Je ne savais pas trop quelle force me poussait, c'était flou dans ma tête. Il y avait de la rage, du dépit, quelque chose de tourné contre moi-même aussi. Mais maintenant, il me semble que je comprends mieux. Ça a permis quand même de faire vivre, moi je trouve un truc très important, c'est que nous on fait vivre des gens localement. Dans la bio, il y a un aspect relation sociale avec les producteurs que tu n'as pas quand tu es un boulanger normal. Tu connais un meunier qui achète la farine, qui achète son blé, on ne sait pas trop où. Tu ne maîtrises rien. Là, si tu veux, tu travailles au levain, tu fais pousser ton levain, tu vois. Ah, aujourd'hui il est trop acide, donc il va falloir un peu mettre de l'eau un peu plus froide ou. Laisser moins longtemps lever pour pas qu'il s'acidifie trop. Enfin, moi, si tu veux, c'est vivant, quoi. Donc, il y a un aspect commerce équitable, entre guillemets, quoi. Je comprends mieux que le scénario du productivisme n'est peut-être pas complètement écrit. Car je vois bien vibrer, entre vous, chers vivants, la petite flamme qui préfère les humains à l'abondance. Alors là, on chauffe la chambre de combustion. On chauffe la chambre de combustion. Il y aura 4 à 5 minutes. 4 à 5 minutes. Il y a une roule à l'intérieur. Quand elle est rouge, encore, c'est pas rouge. Ça va venir. C'est pour ça que, bon, je suis pas... Je suis pas contre le progrès, mais... Je suis pas spécialement pour. Mais, au nom de cette même petite flamme, il y en a aussi parmi vous qui voudraient voir ma vieille campagne comme un décor, un tableau, une image du temps. Savent-ils, ceux-là, qu'un tel spectacle est notre triste privilège à nous, mes collègues et moi ? Nous qui avons perdu le goût du présent, nous les ombres au bord de la route, nous les non-vivants ?